Un homme sourd-muet est conduit à Jésus. Et celui-ci met ses doigts dans les oreilles du sourd et avec sa salive touche la langue du muet. Levant les yeux, il murmure « Ephphatha, ouvre-toi ». Ce matin, nous nous préparons à entendre de nombreuses paroles, des chants, des prières, des discussions sur la vie de notre communauté. Mais une seule est nécessaire. Elle dit « Ephphatha, ouvre-toi ». Alors oui, que nos oreilles s'ouvrent à la parole de Dieu, que notre regard s'ouvre à la présence de Dieu, que notre esprit s'ouvre à l'intelligence de Dieu et que notre cœur s'ouvre à l'amour de Dieu. Ephphatha. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, pas par cette riante matinée de printemps, mais par cette matinée pluvieuse d'automne, mais que vous soyez très chaleureusement accueillis dans ce lieu de prière, que vous soyez ici comme habitués ou de passage, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Ce matin, nous vivons un culte un peu particulier, parce qu'il marquera avec un an de retard, dû à la suspension des cultes l'automne dernier, à la fois l'installation du conseil de la paroisse Rive-Gauche et mon culte d'accueil dans cette paroisse. Mais ces deux moments liturgiques importants, même s'ils se vivent avec un décalage dans le temps, c'est important de les marquer et de les vivre. À ce titre, nous avons la joie d'accueillir particulièrement Jean-Pascal Rolandez, qui est conseiller de paroisse dans notre paroisse voisine de Saint-Pierre et qui représentera le consistoire pour la liturgie d'installation du conseil. Et nous avons la joie également d'accueillir le pasteur Jérémy Dunon, qui représentera la compagnie des pasteurs et des diacres pour le temps de la liturgie d'accueil. J'aimerais aussi excuser notre président Laurent Rupp. La chance que nous avons, c'est que dans notre conseil, nous avons encore des personnes qui sont dans la force de l'âge et qui ont encore charge de famille. Et c'est le cas de Laurent. Et Laurent, s'il vit un engagement très fort pour la vie de notre paroisse et de notre église, sans compter son temps, et nous le remercions, eh bien aujourd'hui, il a dû donner priorité à sa famille. Alors nous respectons et nous sommes tout à fait. Et il nous a envoyé un petit message pour dire qu'il était bien en pensée avec nous. Alors, j'excuse aussi un autre conseiller, Alain Cartier, qui est un peu malade ce matin. Entrons dans ce culte par un temps de louange et nous le faisons en priant avec le psaume 42. Comme une biche se tourne vers les cours d'eau, ainsi mon âme se tourne vers toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Jour et nuit, mes larmes sont mon pain. Quand on me dit tous les jours, où est ton Dieu ? Je me laisse aller à évoquer le temps où je passais la barrière pour conduire jusqu'à la maison de Dieu, parmi des cris de joie et de louange, une multitude en fête. Pourquoi te replier mon âme et gémir sur moi ? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. Le jour, le Seigneur exerçait sa fidélité. La nuit, je le chantais et je priais Dieu qui est ma vie. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi m'en aller lugubre et pressé par l'ennemi? Mes membres sont meurtris, mes adversaires m'insultent en me disant tous les jours, où est ton Dieu? Pourquoi te replier, mon âme? Pourquoi gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui le salut de ma face et mon Dieu. Amen. Et ce même psaume, je vous invite à le chanter au numéro 24, les strophes 1, 2 et 6. Comme un
Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous ce matin, comme représentant du consistoire, pour procéder à l'installation de votre nouveau conseil, ainsi qu'à l'accueil de votre nouveau pasteur, Emmanuel Fuchs. Le pasteur Jérémy Dunon est également présent comme délégué de la Compagnie des pasteurs et des diacres. Ce culte d'installation et d'accueil aurait dû se tenir l'an dernier, mais il a dû être repoussé, bien évidemment, en raison du Covid. Le 4 octobre 2020, l'assemblée de votre toute nouvelle paroisse fusionnée a élu son nouveau conseil pour une période de 4 ans. Nous allons maintenant, enfin, installer dans cette fonction celles et ceux qui ont été choisis. Nous les accueillons avec reconnaissance. Le Nouveau Testament rapporte que dans chaque église naissante, l'apôtre Paul faisait nommer des anciens pour leur confier la direction de la communauté. Il dit à ceux d'Éphèse : prenez soin de vous-même et de toute la communauté dont le Saint-Esprit vous rend responsable. Prenez soin de l'Église de Dieu que Jésus a créée par le don de sa vie. Les réformés ont voulu suivre cet usage apostolique et ont toujours tenu à ce que la direction de leur Église soit partagée entre ministres et fidèles. Conseillers et conseillères, votre rôle sera de discerner continuellement avec toute l'Église quelle mission Dieu confie à votre paroisse dans cette région. Cependant, vous n'êtes pas toute l'Église. Vous collaborerez donc avec les autres paroisses et ministères. Vous ne vous êtes pas choisis, mais vous êtes appelés à vous découvrir les uns les autres comme des amis, parce que le Christ lui-même a appelé amis celles et ceux qu'il s'était choisis. Votre attachement commun à Jésus vous aidera en cas de difficulté ou de tension. Chers paroissiens, chères paroissiennes, lorsque nous nommons un conseil, nous ne donnons pas une tête à l'Église, mais nous nous offrons un instrument pour mieux travailler ensemble et exécuter nos décisions. Dans cette perspective, je vous invite à recevoir celles et ceux que vous avez élus. À l'appel de son nom, j'invite les conseillers et conseillères à se lever et à venir devant. Alors, je commencerai par quelqu'un qui est excusé, Laurent Rupp, le président, puis Elisabeth Pittet, qui est la vice-présidente de votre conseil, Marc Fuss est le trésorier. J'invite Daniel Bess, Marianne Beauvais, Alain Cartier est excusé. Vient ensuite Pierre-Édouard Debay, Sylvia Fabiani, Olivier Pictet, Françoise Piguet et Corinne Rosnoblet. Nous allons procéder maintenant aux engagements. Vous êtes l'autorité responsable de cette paroisse. Vous vous engagez à collaborer avec ses pasteurs à la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans cette région. Vous veillerez à l'unité de notre paroisse et de notre région, à l'accueil de tous et à la participation du plus grand nombre aux décisions importantes, ainsi qu'à penser de manière cohérente la mission pour votre région. Votre paroisse n'est pas unique, mais constitue avec d'autres l'Église protestante de Genève.
Ainsi, vous prendrez à cœur le témoignage de toute l'Église et serez solidaire des décisions de ses autorités. Le rôle de conseiller et de conseillère est reconnu comme celui de serviteur et de servante. C'est dans cet esprit que vous travaillerez et que vous écarterez toute tentation de pouvoir ou de domination. Et comme vous y engage l'apôtre Jean, n'aimez pas en discours et en belles paroles, mais en actes et dans la vérité. Est-ce bien là votre volonté ? Oui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Heureux de vos engagements, nous en prenons acte au nom du consistoire de notre Église et vous installons comme conseiller et conseillère de la paroisse Rive-Gauche dans la région du centre-ville Rive-Gauche. Alors maintenant, nous allons procéder à la bénédiction des conseillers et conseillères. Que Dieu, par son Esprit, vous conduise et vous accompagne dans votre mission. Qu'il vous donne le discernement pour l'accomplir dans la fidélité et dans la vérité. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, un seul Dieu vivant, au siècle et des siècles. Accueillons aussi ce matin officiellement et liturgiquement votre nouveau pasteur, même s'il est déjà à l'œuvre depuis une année. Nous avons ce matin également une pensée et une prière toute particulière pour sa collègue Marie Sénec, qui est en arrêt de travail. Et nous portons également dans notre prière le pasteur Vincent Schmitt, qui assure un remplacement de longue durée dans votre paroisse. Qu'il soit ici également chaleureusement accueilli et remercié. J'invite maintenant Emmanuel Fuchs à se lever et je passe la parole au pasteur du nom. Cher Emmanuel, c'est un honneur pour moi de me tenir là ce matin présent. Peut-être vais-je enlever mon masque. Je suis désolé. C'était un grand honneur pour moi de me tenir présent ce matin dans cette paroisse afin d'être témoin de ton installation au nom de la Compagnie des pasteurs et des diacres et du Conseil de Compagnie des pasteurs et des diacres. Je voudrais te remercier d'abord personnellement parce qu'avant, bien avant que je sois ici présent pour être témoin de l'installation du pasteur Emmanuel Fuchs, c'est un de ceux qui m'ont accueilli dans cette fameuse compagnie. Il était pas seulement un père PAIRS, mais aussi un père. Pour moi, c'était un modèle, et ça le reste. Je le remercie pour son humanité, pour sa profondeur théologique, pour sa connaissance et son respect des institutions, pour son amour de l'Église, de tous ses membres, de tous ses paroissiens et de notre Seigneur. En tant que représentant de la compagnie des pasteurs, des diacres et des chargés de ministère,
T'engages-tu, en leur nom, à soutenir tes paroissiens, ta communauté, et à être fidèle dans ton ministère, à veiller à ce que chacun et chacune trouve sa place. Et moi, je m'engage à être présent à tout moment, au besoin, si tu le désires et si tu en fais la demande. J'aimerais t'offrir cette prière qui m'a paru non seulement indiquée, mais en plus qui dit un petit peu de ce que tu fais, de ce que tu as fait et de ce que le Seigneur va te conduire à faire encore. Seigneur, j'aimerais te présenter ton serviteur que tu as appelé à te servir dans cette paroisse, dans cette région. Éclaire-le et soutiens-le dans l'accomplissement de son engagement et de son ministère. Qu'il soit auprès de chacun et de chacune un témoin fidèle de l'Évangile. Continue à le préserver du découragement. Continue à le faire grandir dans toutes ses compétences et dans son amour de l'Église et de l'Évangile. Sois sa force dans les jours difficiles. Fais vivre en lui ta joie et ton espérance. Mais nous te confions également sa famille, ses proches. Bénis également tous ses collègues et qu'il continue à être une bénédiction pour toute la compagnie. Et à vous tous, membres de paroisse, de cette paroisse et de cette région, recevez également cette bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il augmente en chacun et chacune la foi, l'espérance et l'amour. Amen. Merci pour ces mots qui me touchent. Oui, c'est bien là ma ferme volonté d'être au service de cette communauté et que Dieu me soit en aide. Amen. J'invite la communauté à également prendre l'engagement de soutenir son conseil à travers les mots que vous trouvez dans le feuillet. Je vous invite à vous lever pour les dire, puis nous enchaînerons avec le cantique de 105. Témoin de ces engagements, nous sommes ceux de l'air, de celles et ceux à qui nous avons confié cette responsabilité. Ensemble, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous soutiendrons le conseil de notre paroisse et nos pasteurs par notre prière et notre engagement dans notre Église, avec l'aide de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière d'illumination. Dans le tourbillon de notre vie, dans la déchirure de notre cœur, ô Seigneur, donne-nous ce matin d'entendre ta parole. Fais taire en nous le brouhaha incessant, rends-nous disponibles à toi, non pas pour tout comprendre, mais pour pouvoir avancer dans la vie avec la confiance que tu as une parole pour nous chaque jour. Amen. Je vous invite à lire la lecture biblique dans l'Évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement et on le supplie de lui imposer la main.
Le prenant loin de la foule à l'écart, Jésus mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis levant son regard vers le ciel, il soupira et lui dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus le recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommandait plus à ceux qui le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toutes les choses, il fait entendre les sourds et parler les muets ». Avec cet épisode, on retrouve Jésus en terre étrangère, en Décapole. La dernière fois qu'il y avait passé, ceux qui ont suivi les Bibles au vert cet été s'en souviennent peut-être, on l'avait prié de déguerpir après la guérison qu'il avait faite sur ce possédé légion qui finalement avait laissé les pauvres cochons s'abîmer dans la mer. Cette fois, la donne change. On lui apporte un malade en le suppliant de le guérir. Jésus met ici en pratique ce qu'il vient de dire aux pharisiens. On est dans ces controverses avec les pharisiens. Jésus s'affranchit des règles classiques dans le judaïsme, notamment sur la notion de pureté. Ce sera un des enjeux majeurs dans le ministère de Jésus. Jésus ose aller à la rencontre de ceux que les pharisiens rejettent comme impurs. Alors aussitôt Jésus prend cet homme à l'écart, non pas qu'il veuille se cacher, mais je le crois dans le souci de privilégier avant toute chose la relation personnelle d'homme à homme. Jésus ne veut pas être reconnu par la foule comme un grand guérisseur, un faiseur de miracles adulé par la foule. Il veut entrer en relation et témoigner ainsi de l'amour de Dieu, non pas pour l'humanité en vrac, mais pour chacune et chacun d'entre nous dans une relation privilégiée, intime, personnelle. Et c'est intéressant de voir comment Jésus utilise un langage corporel pour rejoindre cet homme emmuré dans son silence. Il lui met les doigts dans les oreilles, utilise la salive, touche la langue. Cette attitude de Jésus est très remarquable. On le sait bien nous-mêmes, et ce n'est pas Jérémie qui est aumônier à l'hôpital qui me contredira, quand on est au chevet d'un grand malade, inutile de faire des longs discours. Il faut au contraire trouver un autre moyen pour communiquer que la seule parole. Et en ce jour d'assemblée de paroisse, et pour ce bref message, cette histoire m'inspire deux réflexions. La première, par extension à ce que nous venons de dire sur la nécessité de trouver parfois d'autres modes de communication que la seule parole pour entrer en relation avec un malade, il me semble important de remarquer que notre monde environnant est souvent sourd à la parole de Dieu et à nos messages. Il n'y a qu'à voir la difficulté que nous avons à entrer en relation avec de nouvelles familles. Parler comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant ne suffit plus. Envoyer simplement des lettres pour que les familles inscrivent leurs enfants aux rencontres bibliques, c'est comme parler à un sourd. Ce mode de communication ne passe plus. De même, peut-être que d'employer le langage parfois convenu de nos assemblées, de nos liturgies, de nos prédications, ne nous permet plus d'être entendus par le plus grand nombre. J'ai déjà eu l'occasion de souligner cet aspect lorsque l'on fêtait les 50 ans du temple de Malagnou.
Nous devons, tel Jésus avec cet homme qui invente un moyen original d'entrer en relation, dans une relation personnelle avec cet homme, et qui casse tous les codes convenus, nous devons probablement aussi parfois oser briser certains codes et trouver d'autres moyens d'approche. Comme Jésus l'a fait avec cet homme, surtout, il nous faut absolument, en toutes circonstances, privilégier la rencontre personnelle. C'est bien plus souvent la rencontre, l'échange, le témoignage personnel, la rencontre face à face, que de longs discours qui permettent à des personnes distantes d'attiser leur curiosité et de se rapprocher de l'Évangile. Et cette tâche n'est de loin pas l'apanage exclusif des seuls ministres, mais elle concerne chacune et chacun d'entre nous, peut-être plus que jamais dorénavant. Et la deuxième remarque que m'inspire cette lecture, qui n'est pas sans lien avec la première, nous connaissons tous la difficulté qu'il y a quand le lien qu'il y a entre la difficulté d'élocution et la surdité. Qui n'entend pas, ne peut pas parler. Eh bien, je crois qu'il en est exactement de même spirituellement. Il faut d'abord aiguiser sa spiritualité, il faut d'abord aiguiser sa capacité à l'écoute avant de pouvoir se risquer à la parole. Et c'est un pasteur bavard qui le dit, et qui le dit d'abord pour lui-même. À l'image de cet homme qui va découvrir la bénédiction de Dieu, sa bienveillance, la grâce, la foi est d'abord une expérience à vivre très personnellement, intimement. C'est une expérience d'ouverture intérieure. Être disponible, être à l'écoute, être ouvert à ce Dieu qui vient à ma rencontre. Car cet homme, finalement, c'est toi, c'est moi. Comme lui, nous courons toujours le risque de nous refermer sur nous-mêmes. C'est à nous, aujourd'hui, que le Seigneur adresse cette parole très personnelle. Ephphatha, ouvre-toi. La prière, le chemin spirituel, je le crois de plus en plus, avant d'être demande ou pire bavardage, est d'abord écoute. Faire silence, se mettre en état de disponibilité pour pouvoir sentir, entendre quelque chose de cette grâce de Dieu qui se fait proche de nous. C'est une expérience, encore une fois, d'abord individuelle. Mais il est important de souligner, à la lecture de ce texte et dans notre réalité, le lien qu'il y a entre l'individuel et le collectif, le communautaire. L'homme malade, replié sur lui-même, ne demande rien, il ne peut rien exprimer. Ce sont d'autres personnes qui font que la rencontre personnelle va pouvoir avoir lieu entre lui et Jésus. Le texte nous dit, on lui amène un sourd. Littéralement, on lui porte un malade. Il y a là un acte d'une extrême bienveillance des autres qui demeure anonyme à l'égard de cet homme. Alors oui, la foi demeure une expérience intime et personnelle, mais aujourd'hui, elle est encore souvent rendue possible par la bienveillance, l'attention d'autres personnes. C'est bien là le rôle essentiel d'une communauté comme la nôtre, permettre que la rencontre entre l'individu et Jésus puisse avoir lieu, que la grâce de Dieu puisse toucher cet individu. Mais pour ce faire, nous devons probablement accepter parfois que cette rencontre puisse se vivre loin de nous, comme Jésus a pris à l'écart cet homme, qu'elle puisse se vivre loin de nous, sans nous, et peut-être avec un langage et une manière de faire qui échappent à nos traditions et nos coutumes. Mais la communauté ne pourra jouer son rôle de témoin, vivre sa dimension d'accueil, être renouvelée spirituellement, que si d'abord
chacun de nous accepte de se laisser toucher personnellement. Nous pouvons faire toutes les stratégies pour une paroisse qui communique bien, qui témoigne bien, mais si nous ne commençons pas nous-mêmes, chacun, individuellement, à accepter de nous ouvrir intérieurement, d'être renouvelés spirituellement, alors notre communauté ne pourra pas jouer son rôle. Son renouvellement spirituel, son ouverture sur le monde, sur Dieu, sur les autres, ne pourra se vivre communautairement que si elle a d'abord lieu pour chacune et chacun d'entre nous très personnellement. Oui, je suis cet homme vers lequel le Seigneur s'approche et le Seigneur m'invite à m'ouvrir à sa grâce, ce matin encore et de manière très nouvelle. Parlons moins, cessons de nous plaindre sur la fragilité de l'Église, sur le fait que nous sommes moins nombreux, qu'il y a moins de pasteurs. Commençons chacune et chacun par effectuer ce travail sur soi, ce travail d'ouverture, de disponibilité intérieure, de disponibilité à l'esprit. Et alors, nous serons renouvelés par la grâce du Seigneur. J'en suis convaincu, ce n'est qu'à travers ce renouveau spirituel, personnel, et que notre communauté tout entière sera renouvelée et non l'inverse. Et alors nous pourrons ensemble affronter avec confiance et espérance les défis du temps présent. Amen. Seigneur notre Dieu, nous t'adressons notre prière en te demandant de bénir ceux que nous aimons et pour lesquels nous avons une pensée toute particulière ce matin. Nous te demandons de veiller sur notre communauté, sur notre Église, sur nos Églises sœurs ici à Genève et dans le monde entier. Seigneur, toutes nos prières, celles que nous avons adressées à haute voix,
celles que nous avons gardées dans le secret de notre cœur, nous voulons maintenant les réunir en te disant tous ensemble la prière qui fait de nous les enfants du même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au terme de ce temps liturgique du culte, même si notre matinée se poursuivra par notre assemblée de paroisse. Nous laisserons un petit temps simplement entre la fin du dernier jeu d'orgue et le début de l'assemblée, déjà pour que je puisse enlever ma robe, qu'on puisse s'installer tranquillement, remercier surtout nos deux visiteurs d'aujourd'hui. Je les remercie d'ores et déjà. Merci beaucoup Jean-Pascal et Jérémy d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce temps symbolique très, très fort. Et c'était beau, je dois dire, de voir toute cette équipe de conseillers là devant qui s'engage. Et à titre personnel, permettez-moi de dire tout le plaisir que j'ai à collaborer avec cette magnifique équipe au conseil de paroisse. C'est magnifique. Vous dire que ce soir, il y aura un culte à 20h30, que dimanche prochain, le culte aura lieu à Malagnou à 10h, et c'est mon collègue Vincent Schmitt qui aura la joie de le présider. Si vous ne recevez pas la feuille du mois qui vous donne toutes les informations régulièrement sur la vie de la communauté, n'hésitez pas à la demander ou à vous inscrire. C'est vraiment le mode de communication le plus simple et le plus fiable pour vraiment être au courant de tous les rendez-vous qui ont lieu dans notre communauté. Ils sont variés et assez nombreux en cet automne. Alors, il y en a en tout cas à la sortie, et si vous ne la recevez pas automatiquement, faites-le nous savoir pour qu'on puisse vous la transmettre directement. Voilà, nous allons maintenant chanter notre dernier cantique. Il est court parce qu'il faut faire court. Donc soyez rapides pour préparer votre offrande, parce que c'est pendant ce dernier cantique que l'offrande sera réunie. C'est le cantique 144 que nous chantons, et nous nous levons pour le chanter. Présence aux deux ou trois rassemblés en ton nom. Oui, que ta présence soit donnée à la communauté que nous formons ce matin dans nos diversités et dans l'unité de nos cœurs à te demander la paix. Oui, que ta paix habite en nous et entre nous, afin que nous ayons la force de la transmettre de proche en proche, et par ton esprit à tous ceux qui nous sera donné de rencontrer dans cette semaine qui s'ouvre.
pour la gloire de Dieu, ton Père et notre Père. Amen. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise dans sa paix. Oui, c'est à nous, aujourd'hui, que le Seigneur adresse cette parole. Ephphatha, ouvre-toi. Ouvrons-nous. Ouvrons-nous à la bénédiction de Dieu qu'il nous donne avec grâce et abondance. Que la bénédiction de Dieu nous conduise aujourd'hui et à jamais. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous conduisent dans la paix. Amen.